Mama Rosé. Mama Rosé. Let's go. Hey, c'est jeudi! Oui, jeudi, c'est bien jeudi. Oh, sans te dire rien. Ah oui, c'était promis que chaque jeudi, je ferai un épisode de Obeleke Réaction version retro. Je vais vous faire revisiter. Je vais vous faire revivre ces moments-là. Ces anciens, ces moments de gloire, de ces sons-là. Voilà! Les anciens sons du showbiz de la musique togolaise, hein, je vais vous le faire écouter, hein, je vais vous rappeler des choses avec ces sons-là, chaque jeudi dans Obeleke Réaction version retro. Les gars, le nom c'est Julie Kayongso, ceci, vous le connaissez, vous le savez déjà, c'est bien évidemment un nouvel épisode de Obeleke Réaction version retro. Et cette fois-ci, nous allons écouter quoi, ma? Nous allons écouter RX Partout. Si tu es un ancien là, tu connais ce son, les gars. Sans plus tarder, allons tous écouter, regarder ce clip là de RX Partout. Un clip, un son qui date de 15 ans, hein. Si mais 15 ans, on est né. Voilà. De Biagio. Donc, allez, hein, RX Partout, les gars. Let's go. Ça c'est un son aussi qui a vibré le monde musical togolais ce temps-là, en ce moment-là, à cette époque-là. Let's go. Bimbo. Vous témoignez un peu le réalisateur. Le réalisateur de ce clip-là, Steven Up. Le Mongol, le grand frère-là, c'est le plus ancien des sorciers de la forêt de la musique togolaise. Le grand frère vient de très loin. Et tu vois, Samuel, là, il a célébré son anniversaire. Popo, joyeux anniversaire, non. Une fois de plus. Let's go. C'est fou, là. Est-ce que vous captez un peu le flow, hein, à cette époque-là? Lui c'est un pilier, c'est un ténor. Et quand on va parler de la musique togolaise, quand on va parler du hip-hop togolais, hein, de l'époque jusqu'à maintenant, lui, on ne peut pas l'oublier. RX Partout, c'est le big boss. Si RX Partout fait un son, il ne parle pas le fond dedans. C'est pas lui qui a fait le son, quoi. Et il doit parler le fond dedans. Mais ou bien l'anglais dedans. Ça, on sait que c'est RX Partout, quoi. Fi to fi no fa ku ino mo ara so dopo
Tcha-tcha, aki-papa, akon-kaka-ka. Eh, tchale. Cette partie du son, personne ne peut oublier. Ouais. Si tu as une fois écouté ce son-là, hein, si tu étais là à l'époque où ce son-là était sorti, tu peux... Eh, cette partie-là, cette partie, même si tu ne connais pas tout le son en tête, hein, tu vas te rappeler de cette partie. On réécoute cette partie-là. File dans le mouton. Eh. Même si tu es américain là, tu vas rien piger, je te jure. Et non, c'est anglais à gommerner. T'as les pépés, non. C'est des essais, do we? Now, come on, listen, this is how we do it. I've just got a mile, I'm coming up, so now, bro. Now, baby, say you're gonna get it right. Chantons seulement qu'il faut la vibe. Alors, let's go. Let's go. Hello. Il est maintenant animateur sur une web radio. Comment est-ce que ça peut m'échapper comme ça? Ouais. Milaweb, voilà. Radio Milaweb.com. Voilà. Radio Milaweb.com. Il est maintenant animateur là-bas. C'est le grand frère. J'ai oublié le nom du grand frère. Grand frère, oh, je sais que tu t'es reconnu, mais ma vidéo. J'ai oublié le nom du grand frère Coolface m'a échappé. Hey, Coolface m'a encore échappé quoi. Hey, c'est lui dans les escaliers. Oui, c'est ça le nom. Hey les gars, c'était là RS Pactou dans des viadios. Voilà un son qui a vraiment fait tabac. Hey, je vous parlais en temps de ces sons là qu'on gravait, qui faisaient toujours partie de la compil, de la collection, hein, de piraterie qu'on faisait dans le temps. Oui, ce son là, tu allais même le dire, Amérique, même on s'est dit, si ce son ne se trouvait pas sur cette compil là,
quelqu'un m'a renseigné derrière, je ne pouvais pas le prendre. Dans ce son-là, des meilleurs des sons du moment, de l'époque là. Hashtag pour les Viado, c'est ça que vous venez d'écouter. Et hey, comme d'habitude, dites-moi en commentaire tout ce que ce son-là vous a rappelé. Hey, tu faisais quoi en ce temps-là? Tu étais en quelque chose? Je pose la question sur ce son aussi. Donc là, les gars, n'hésitez pas, dites-moi tout ce que ce son-là vous rappelle en commentaire et les anecdotes et tout. Voilà, c'était Hashtag tour de Viado et c'était Obeleke réaction version retour. Vous avez compris, nous sommes déjà à la fin de cet épisode. Le nom c'est Julien Kenyonzo. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Jeudi prochain pour un nouvel épisode de Obeleke réaction version retour. Les gars, on se check d'ici là. Portez-vous bien. Ciao. Tchou.